Salut, c'est Laurent. Aujourd'hui, je vais à un événement, un festival de batterie, c'est Wiki Drummers. C'est la première fois que j'y vais, c'est le troisième édition. Ils présentent des batteurs que je connais pas du tout, donc je vais aller voir. Ça a l'air intéressant, il y a des batteurs anglais, j'ai vu rapidement. Puis ils présentent aussi du matos, il y a aussi des ateliers pédagogiques, avec notamment Frédéric Rimbert qui est au Drumming Lab. Donc je vais voir ce que c'est. Et je vous dirai comment ça s'est passé juste après. Allez, à tout à l'heure. Salut, c'est encore moi. Du coup, là, je viens de sortir du Wiki Drummer. Donc, mon ressenti, c'était cool parce que j'ai découvert plein de nouveaux batteurs. Il y avait un gros batteur à la fin qui s'appelait Kelvin Rogers, qui était vachement bon. Je crois qu'il est américain. Et ouais, ça m'a fait découvrir plein de nouveaux batteurs. J'ai aussi essayé un nouveau système drumistique pour apprendre la batterie, pour jouer de la batterie en fait, avec des capteurs. C'est 4 capteurs, 2 sur des baguettes et 2 sur les pieds, pied droit, pied gauche. Et en fait, vous avez des sortes de pads que vous posez par terre ou sur une table. Et vous tapez dessus et ça simule en fait. Une batterie virtuelle. Après, ouais, il y avait des ateliers pédagogiques avec le Drumming Lab, donc avec Frédéric Rimbert et son coéquipier, pour expliquer comment accorder une batterie pour avoir un bon son. Sinon, il y avait des exercices de coordination qui étaient... En fait, c'était très simple à comprendre, mais c'était vraiment pas facile à faire. En fait, on s'en mêlait tout le temps, parce qu'il fallait alterner main droite et pied gauche, et ensuite main gauche, pied droit. Faire des espèces de moulins, des paradiddles un peu alternés, et c'était assez compliqué en fait à suivre. Vous allez être vraiment inspiré par les autres batteurs, vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées, découvrir de nouveaux rythmes, de nouvelles musiques. Et puis il y a une espèce de conscience supérieure qui s'installe aussi dans la salle avec toutes les personnes. Je vous conseille d'aller à des événements comme ça. En plus, vous allez rencontrer des gens, donc vous pouvez faire des selfies ou demander des conseils quoi, à des batteurs professionnels. Et bonne soirée. Ciao, à la prochaine.